Ok, bonsoir à tous. Alors j'ai d'abord une question pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour imaginer que ces marches d'escalier, si on avait les mêmes anneaux, ça pourrait être pas mal pour monter à Fourvière ou à la Croix-Rousse? En gros, l'idée derrière ça, c'est de dire que la créativité améliore notre quotidien. Moi, je veux plus de créativité dans mon quotidien. Et du coup, l'objectif de YouMindIt, c'est de rendre le monde plus beau en révélant le potentiel créatif de chacun. Parce qu'on est tous créatifs. Et il n'y a pas forcément que les artistes et les publicitaires qui sont créatifs. Alors pour faire ça, on ne va pas vous filer des pinceaux à la sortie de la séance pour que vous alliez repeindre les escaliers. On a trouvé un jeu encore plus simple et qui est un jeu auquel vous jouez tous les jours. On l'a même vu tout à l'heure d'ailleurs dans une présentation de Discogs. Donc je vais vous poser la question avec cette image-là. Alors bon, on est fait un peu niquer hein, de tous les slides. Mais en gros, ce qu'on fait sur la plateforme, c'est qu'on fait minder les images. D'accord? Tout est dans ce mind-it, d'accord? Donc en gros, on demande aux gens, bah, tiens, qu'est-ce que t'inspire l'image en moins de 40 caractères? C'est ça, mind-it. Donc il y a des gens qui vont mettre Jurassic Park, il y a des gens qui vont mettre la peur de l'engagement, et puis il y a des gens qui vont mettre belle-mère, et donc j'ai trouvé ça plutôt cool d'avoir ce mind-là. Alors, notre objectif, il est assez ambitieux en fait, c'est de mettre ce petit mot-là, tout bête, mind-it, sur toutes les images du web d'ici 2 ans en fait. Parce qu'on pense que chaque image du web, elle peut... C'est à chaque fois une opportunité pour quelqu'un de se mettre en avant et de partager sa créativité. C'est ça le but de YouMindIt, c'est ça la valeur, c'est qu'on puisse respirer, se mettre en avant avec sa créativité. Et croyez-moi, ça marche pas mal. Alors derrière, il y a un business model, forcément. Et le business model, il est assez simple, il est destiné aux agences de communication, en gros. Et l'idée, c'est de les aider à trouver des idées plus vite. Je vais vous donner un exemple, et Xcox qui vient me voir en tant qu'agence et qui va chercher à faire une pub sur la protection. D'accord? Donc moi, en tant que créatif, je vais chercher des idées sur la protection. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus le temps de trouver des idées sur la protection. Donc je vais faire appel à YouMindIt. Et en tapant protection dans YouMindIt, je vais tomber sur des milliers d'images qui sont mindées protection et qui vont m'aider à trouver des idées plus vite. D'accord? Donc cette agence, ce business model premium permettra en fait aux agences, aux 40 000, on va dire, agences de communication de Grenoble, et aux X millions de TVE potentiellement après, de trouver des idées plus vite. Aujourd'hui, YouMindIt, ça a été lancé il y a quelques mois, c'est à peu près 1 200 minders qui commencent à nous suivre, 50 000 minds. Il y a même des mecs, je ne sais pas s'ils ont du boulot, parce qu'ils sont là toute la journée dessus, mais c'est très bien aussi. Et puis voilà, on va lancer notre application mobile bientôt. J'en profite, je ne sais même pas s'il y a encore du temps. Ah, il y a encore 20 secondes, formidable. Pour vous dire que je cherche deux choses aujourd'hui encore. Je cherche un mentor. Parce que je pense que c'est hyper important pour qu'une boîte réussisse. Donc en gros, quelqu'un qui soit capable de donner 30 minutes par mois à YouMindIt pour essayer de booster le projet. Et potentiellement des associés aussi qui soient capables juste de booster l'entreprise comme ceci. Merci à vous pour votre attention.